dire des bêtises. Il est incapable de trahir. Enfin, je crois. Je vis ici, que je sache. Quelle question. Il est dans le couloir des aimables. Allez, dégage. En fait, le mari d'une amie vient de rentrer de vacances et depuis, elle vit l'enfer. Ah bon? Pas dans un appartement? Non, mais alors attends, là, tu veux me rendre folle ou quoi? Elle s'approche de lui et elle lui dit « Chérie ». Et là, il va ressentir sa présence. C'est vrai? Oui, mais il faut qu'elle lui dise. Tu penses que si elle s'approche de lui et qu'elle lui dit « Chérie », il va ressentir sa présence à elle aussi? Oui, oui. Je suis contente du résultat. Bon, là, encore une fois, c'est la première fois, donc voilà. Mais je suis très contente de ce que ça donne. Je suis contente d'avoir participé à ce projet. Même si c'est vrai que ça sort un peu bon, Loana, voilà, je ressemble pas trop. Mais je suis contente. Et puis, avec des beaux acteurs, surtout Michel Galabru. Bon, je vais pas donner vraiment la réplique, mais voilà. Gisèle Kadatu là-dessus. J'étais contente de retrouver Joël aussi. Et voilà, vraiment, merci à toi de m'avoir proposé et tout. Et je suis vraiment contente du résultat. Beau montage. Puis belle équipe, c'était sympa quoi, ces 2-3 jours de tournage. Je pense que si elle s'approche. Moi, j'ai bien aimé. Je dois dire alors très sincèrement que je ne m'attendais pas à ça. Je trouve qu'il est bien fait. Je trouve que le personnage que joue. Lucette. Non, pas Lucette surtout. Ah bon. Je sais pas grand chose. Oui. Hein, oui. Faut pas faire raconter l'histoire. Mais le personnage que joue. Je vis ici, que je sache. Quelle question. Il est dans le couloir des aimables. Allez, Monsieur Hyde. Il est bien, il est drôle, parce qu'on finit par y croire. Moi, je me suis laissé prendre. Je me suis dit, mais il est complètement... Il a la tête dans les chaussettes, il ne comprend rien. C'est bien. Et puis alors, il y a vraiment une très très bonne distribution, ce qui est aussi très important. Non, mais c'est agréable. Moi, j'ai bien aimé, j'ai ri. Voilà. Et je ris pas tout le temps. Hein. C'est vrai, oui. Ah non, je ne suis pas une rieuse. Ah, oui. Comment ça? Ah, cool. T'es pas au courant de ce que ta femme fait comme travail? Si, si, mais je m'en fous un peu. Tu savais ce qu'il m'a fait? Alors, j'en pense beaucoup bien à lui. Je me suis bien amusée. C'est drôle, c'est méchant, c'est très bien. C'est épatant. Voilà. C'est bon, il est prêt. D'abord, j'étais ravie d'avoir un si gentil petit-fils à qui je souhaite beaucoup de succès. Non, j'ai bien aimé le film et j'espère qu'il y aura une suite et que je pourrai participer. Bien sûr. Mais tu ne rigoles pas des conneries de ton grand-père. Tu sais pas ce qu'il a fait ton père à ta mère? Ben non. Bon, c'est pas tout ça, mais il se fait tard. Moi, je vais rater plus belle la vie. Bon, hein, c'est pas son appartement. Faut marcher avec son temps. Dans ce jeu de cette famille, vous allez rencontrer une famille formidable, une famille moderne. Vous aurez beaucoup de surprises, que ce soit du père au petit-fils. Vous allez beaucoup rire, je pense. Vous avez aimé? Oui. Beaucoup? Oui, beaucoup. Après, te dire des bêtises. Elle a rien du tout, d'accord? Mais après, si tu veux, je vais lui dire tout. Et voilà. Bon, allez, à la santé du mois. La conclusion est un peu rude, mais... Si les gens rient, c'est parce qu'ils savent que je suis mort. Ah ouais. Les gens, moi je m'aime pas en blanc. C'est vrai. Non, mais attends, l'image était déformée là, on est dessus. C'est par rapport, oui, par rapport à l'ordinateur. Mais on dirait que oui, ce sera bon. Parce que là, on est plus large que l'ordinateur. Et un temps pour
Michel Galabru, c'est pas la vraie. Oui. Ah, Michel Galabru, oui, Michel. La fin est très très drôle. Ah oui.